Vous vous demandez sûrement comment capter cette radio. Eh bien, c'est tout simple, il y a deux méthodes. Tout d'abord, la méthode numérique. Si vous avez un smartphone ou une tablette numérique, il faut télécharger l'application RCF. Et sinon, il y a une deuxième méthode, c'est avec un poste de radio. Mais attention, pas n'importe quel poste de radio. Pour nous en parler, je suis avec Nicolas Humbert. Il est responsable technique chez RCF. Alors Nico, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette radio? Alors Marc, cette radio, elle est spéciale parce qu'elle permet de capter la DAB+. Donc la DAB+, c'est la radio numérique terrestre. Et plus, ça veut dire que c'est une norme qui est maintenant mondiale. Donc la radio numérique, elle a plusieurs avantages. Un gros avantage, c'est comme la bande FM est saturée, bah, ça va permettre de capter plein de radios qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir. D'accord, mais est-ce qu'on pourra encore capter la FM avec ça? Alors tout à fait, c'est un poste qui permet toujours de capter la FM, puisque pour l'instant la FM continue d'émettre. Et alors ça vaut combien? Alors ce poste-là vaut 59 euros pour capter la DAB, la FM et éventuellement même afficher des images, puisque sur la DAB vous pouvez même afficher des images. Et on peut le trouver où alors? Alors vous pouvez le trouver entre autres au marché de Noël dans la cour de l'évêché, marché de Noël Saint-Saint-Nicolas, au chalet ici, chalet du Célidoc. Ils vous les vendent à 59 euros, vous pouvez vous procurer ce super poste de radio. Et bien voilà une bonne idée cadeau.